Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto d'une magnifique carte. Pour cela, moi j'ai pris mon massicot et je vais prendre, j'ai pris une feuille de 200, je sais plus, ça fait 210 ou 250. Je crois que c'est 210 grammes. Rouge. Elle vient de chez Action. Donc déjà, on va faire la base de la carte. Il n'y a rien de très compliqué pour l'instant. Ça va nous faire du 12 centimes. Ah merde! J'ai fait tomber mon plioir. Alors, ce n'est pas du tout mon plioir, c'est ma lame du massicot pour plier. Donc, je fais un pli à 12 cm. Et donc, je découpe à 24. Au niveau de la largeur, c'est trop haut. Je vais enlever. Je vais faire du 17. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais le marquer de suite. Donc, j'ai dit 17 sur 12. Parce que dans 30 secondes, je vais oublier et ça serait dommage de recommencer tout le temps à compter. C'est un peu chiant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, donc, je vais prendre mes chutes. Déjà, et je vais couper mes chutes à 14, à n'importe quoi, à 16 et demi. Donc 16 et demi. Voilà. Donc je reprends ma feuille. Là, elle mesure 12 cm. Allez, on va faire les calculs. Alors, je vais cacher ce que j'ai fait auparavant. Donc ça mesure, je sais plus, j'ai dit combien? J'ai dit 12, hein. J'ai un problème. Donc j'ai dit 12. Je vous montre un peu en même temps comment je réalise un peu mes cartes, comment je réfléchis. Parce qu'en fait, sincèrement, c'est dans ma tête. Je vois l'image dans ma tête et après, pas tout le temps, je la mets sur papier, mais là, je vais vous montrer. Donc je vais enlever 1 et 1. Donc il va me rester 10. D'accord? Donc, il me reste 10 cm et j'aimerais bien mettre des bandes comme ça. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc, s'il me reste 10, ça fait 2 et demi. Voilà. Vous avez compris? Je ne suis pas sûr que j'ai été très clair. Donc, je découpe 4 bandes de 2 et demi centimètres. Sauf que là, j'arrive pas. Donc, on va faire comme ça. Une bande. Une deuxième bande. Hop, en fait la chute, je peux pas la prendre parce qu'elle a une pliure au milieu. Donc je vais reprendre une feuille si j'arrive. Parce que là j'en prends plusieurs en même temps et j'en ai pas envie. Voilà. Donc je sais plus du tout combien j'ai dit. J'ai dit 2 et demi. 2 et demi. Sur 16 et demi. Je vérifie que je ne me dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Sur 16 et demi. Bon, là, on comprend que j'ai pas assez. Donc, on met de côté. C'est quand même une belle petite chute. Hein, c'est du bon papier. Ce serait dommage de le jeter. Donc, 2 et demi. En passer comme ça sur 16 et demi. Voilà. Donc nous avons nos 4 morceaux. Donc vous comprenez très bien que ça ferait très chelou, rouge sur rouge. D'accord? Donc on va mettre du papier blanc. Parce que le rouge, à que je cite, en fait, du blanc, ça peut être sympa, le noir, parce que rouge et noir, tu vois, c'est en rouge et noir, j'explorais ma peur. Est-ce que j'ai pas une chute de noir que je viens d'utiliser? Oui, c'est parfait. Alors, on va découper. On va faire le fond pour le moment. Désolé pour les petits bruits. Donc, ma carte. Je vais découper à 16 et demi. Sur 11 et demi.
Oui, mes bandes feront la même taille. Parce que c'est le fond que je veux. Ben, je veux. Je mets de la colle. Ça va faire une carte 3D. Hein. En rouge et noir. Voilà. Voilà, j'étais pas très droit. Et maintenant, je le suis. Donc, je prends mes bandes. Il faut que je laisse 0,5 de chaque côté. Hop. 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 Je suis en train de tout bouger, je suis désolé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je ne sais pas si je vais utiliser... Bon, de toute façon, c'est quoi ? J'en ai plein, donc je vais utiliser ça. Je vais mettre de la mousse 3D. Hop. Bien sûr, on aurait pu mettre des chutes, mettre du carton. J'ai les... Dans ma tête, j'ai des chevaux lancés au triple galop. Lancés dans cette course folle. Allez, je prends un papier de ce Luxe Paper Block. Donc, je vais découper des bandes de 2 cm. Attends. Hop. Voilà. J'ai découpé des bandes de 16 cm sur 2 cm. C'est compliqué dans ce sens, on va faire comme ça. Allez, j'en ai découpé 4. 1, 2, et je le fais dans le papier. Non, pas le papier. Je le fais dans la suite. Je vais les coller dans la suite également. Ça fera. Ça fera beaucoup plus joli. Voilà. Hop. Donc, c'est lui à gauche. Je suis dans le bon sens, là. Ouais. Allez. Donc, on va coller la première à gauche. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Bon, là, je suis pas aveugle. Hein. J'ai vu que c'est un peu plus large. Mais bon, franchement, ça me dérange pas. Et de 4. Voilà. Ça nous donne ceci pour le moment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas envie de... Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te crois chez ton père, tu te fous de moi. Donc, on va découper une bande noire à 11 cm. Sur... Alors, attends, 11 sur 4. Je vais vite le marquer. 11 sur 5, parce que 11 sur 4, c'est petit. Vite, marque-le, tu vas oublier. Mais c'est quoi déjà? C'est 11 sur 5. Wow, trop fort, tu t'en souviens? Est-ce que j'ai la chute rouge que je me suis servi tout à l'heure, que j'ai plus du tout... Ah oui, je l'ai mise là. Donc, je prends également une chute rouge. Donc, je découpe à 4,5 sur 10,5. Et je pense qu'il y a un problème, parce que j'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est bon. Je croyais avoir fait une connerie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, par contre, cette fois-ci, parce qu'après, trop de 3D tue le 3D. Hein. Après, la carte, elle va voler tellement qu'elle va être en 3D. Donc, j'essaye de centrer. Et je vais également coller mon papier noir sur ma carte. Ça fait un peu comme une sorte de ceinture. Je l'ai fait
au niveau de la taille du papier, des languettes rouges et pas du noir. D'accord? Ensuite, je prends notre merveilleux petit bloc Luxe Paper Bloc et je vais prendre des images qui me plaisent. Moi, je fais au coup de cœur, ça vous le savez. J'aime énormément, mais il faut que j'arrête avec parce que j'en mets deux partout. Voilà. Donc, de base, ce que j'aimerais, c'est surtout qu'il y ait un petit texte. Donc, on va avoir Noël blanc. Bah, ça va pas du tout avec hein, parce que c'est pas du tout blanc, donc c'est rouge. Voilà. Oh, 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 ça peut être très sympa. Holy, holy, jolly, rouge sur rouge. Je vous le déconseille. Donc, on va prendre. Je pense que je vais plutôt prendre le haut qui me plaît. Ah ben non. Voilà. Le Noël qui est juste trop, trop, trop beau. Et je vais prendre. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je vais peut-être faire ça. Ça pourrait faire très joli. Pas le rose par contre, non. Donc ça, on va le laisser là-dedans. Voilà, avec une petite fleur, ça peut faire très joli. Je m'imagine dans ma tête. Dans ma tête, j'ai des chevaux lancés au triple galop dans cette course folle. Allez hop. Donc ce qu'il faut faire, enfin, en tout cas, ce que je fais, c'est que je vois rien du tout. Donc je découpe les petites bites qui sont pas du tout jolis. Là, là c'est pas la peine, il n'y a plus rien. Et là, il y a ça. Ça, c'est pas beau, je suis désolé. Hop. Voilà. Il y a celui-là. Hop. Ouais, après, je vais nettoyer mon ciseau. Voilà. C'est mon ciseau de découpe. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore tellement. Allez, je vais prendre un tout petit peu de double face 3D. Pas la peine d'en mettre un million. Je vais coller mon petit Noël. Il est légèrement 3D. Donc, je vais en profiter pour mettre une petite branche, une petite herbe. Ça fait super mignon. Et un petit cadeau parce que Noël, c'est un petit cadeau. Enfin, c'est surtout le cadeau de Noël qu'on aime tous. C'est surtout manger ensemble, partager un moment en famille ensemble. Mais c'est vrai qu'à Noël, on a tous un petit cadeau. Et voilà ma petite carte qu'il faut qu'elle sèche, hein, bien évidemment. Là, je pourrais écrire un mot à l'intérieur. Je pourrais décorer si je le souhaite. Et voilà. Franchement, moi j'aime bien. Elle est légèrement en 3D. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait un effet. Elle est un peu lourde. Hein? Ça fait un effet un peu volé. Vous voyez les volets chinois? Je ne sais plus comment on appelle ça. Un peu éventail. Voilà, encore rapport. Ça fait un peu éventail. Pas éventail. Comment ça s'appelle? Hein, Juju, comment ça s'appelle, mon amour? Je ne suis pas sûr que ça s'appelle. Mon bébé. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien le style. Franchement, je trouve ça super joli. Allez, je vous laisse, que Julia va faire tomber le trépied dans 5 secondes. Je vous fais des bisous, à bisous, bisous!